Hello tout le monde, bon, mission du jour Abaya Mall. Voilà, je pense que c'est le bon endroit pour trouver des abayas. Non, parce que clairement j'ai l'impression que je suis habillée tous les jours pareil. Enfin, j'en ai deux des abayas. Bon, je les lave, je vous rassure. Mais en fait, je mets mes vêtements dessous et je mets ça par-dessus. Mais j'en ai marre, j'ai envie d'en avoir plein de différentes. Eh les gars, je vous jure, c'est trop drôle. Je suis avec ma copine en train d'acheter des abayas. Et c'est un peu comme au bled ici, genre faut négocier les prix et tout. Elle les a mais tordues, t'as peur. Genre elle a baissé le prix de base de 50% je crois. Donc c'est vraiment super rentable de faire les boutiques avec elle du coup. Parce que moi j'ose pas, j'ose grave comme elle, elle force. Elle, elle force jusqu'à, elle fait croire qu'elle part et qu'elle achète rien. Donc le mec il fait... Donc le mec il lui fait un prix de fou. À l'occasion du Ramadan à Dubaï pour le iftar, ils ont fait une tente magnifique à Atlantis. On est à Atlantis ? Ouais. Atlantis de Palme, l'ancien Atlantis Palme nouveau. Regardez comme trop beau. Regardez-moi ça. J'aime trop le Ramadan à Dubaï parce que il y a des buffets dans tous les hôtels de... à manger, en veux-tu, en voilà. Par contre, il y a un petit problème pendant le Ramadan. Puisque je vais toujours à la salle de sport. Il y a trop de tentations là en fait. Tous les jours je fais des buffets. Donc, tous les jours je mange un petit peu de dessert alors que je peux pas normalement. Bon là il y a plus grand chose parce que les gens ont tout mangé. Mais je vous jure c'est trop dur de manger bien. Genre là vraiment je galère à manger bien pendant le Ramadan. C'est trop compliqué. Il y a trop de tentations partout. De la bouffe et encore de la bouffe. Regardez, non. Jusqu'à la fontaine de chocolat, les gâteaux. Non, ça y est, c'est trop. Je fuis. Oh non, j'avais pas vu ça. C'est encore pire. Faut fuir là.